C'est une petite musique que tout le monde connaît. Elle annonce chaque semaine la fièvre du samedi soir. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. On n'est pas couché à 9 ans d'existence, plus d'un million et demi de fidèles. Depuis la rentrée, son casting d'invités dérange et lui vaut une place à la une du Monde et dans Libération. Les polémiques se multiplient après les plateaux télé de politiques ou de penseurs qualifiés de néo-réac. Cécile Duflot, Jean-Christophe Cambadélis ou Claude Bartolone y ont donné de la voix, mais la presse retient celle de Michel Houellebecq, Michel Onfray, Nadine Morano ou Alain Finkielkraut. Raison, leur parole décomplexée, focalisée sur l'identité. Michel Houellebecq y déclarait « M'accuser d'exploiter une peur, c'est vrai ». Nadine Morano, elle, a dérapé. La France, pays de race blanche. Elle monopolise depuis l'agenda politique et médiatique. C'est beaucoup plus spectaculaire d'inviter quelqu'un qui dit les races sont une réalité, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes, etc. que d'inviter quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut continuer à tendre la main à l'autre. Après Morano, place à Geoffroy Lejeune, le journaliste du très à droite magazine Valeurs Actuelles, présentait son livre fiction imaginant Zemmour président. Éric Zemmour pour les gens, c'est un phare dans la nuit. Une semaine plus tard, carton d'audience pour l'académicien Alain Finkielkraut. Plus d'une heure d'interview, au menu islam, intégration, identité française. Je pense qu'en France, l'antiracisme est devenu fou. Depuis, les critiques fusent, Laurent Ruquier ironise. On nous a traités très souvent dans cette émission de gauchiste. Moi, je suis le gauchiste du PAF. Le gauchiste du PAF. Alors maintenant, je suis d'extrême droite. L'animateur annonce dans Libération qu'il fera attention. Alors, audience à tout prix ou nouvelle ligne éditoriale? On n'est pas couché, Réac Academy ou reflet d'une époque?